Et salut les Rocketeurs, c'est Gaspo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cinquième épisode de la série Road to 2000 MMR en 2vs2. Rappelez-vous, au dernier épisode, on s'est arrêté 1503 GC1 Division 3. Donc voilà, on est au port du 1500, maintenant il faut aller chercher le 1600, sachant que les SSL actuellement au moment où je tourne, il tourne à peu près à l'Elo 1730 vu qu'on est au début de saison. Ma référence c'est D7. Hein. D7 j'ai vu qu'il était 1730. Je me suis dit bon les SSL c'est à peu près cet Elo là. Donc là on va jouer je pense contre des GC2 je pense fin de saison. Donc voilà ça va quand même être des games assez complexes. Mais je pense qu'on pourrait les gagner assez aisément si on se concentre. La petite subtilité de cet épisode c'est quand même le nouveau pseudo. Voilà le nouveau pseudo et là je dois vous dire vous êtes des bâtards parce que... Le pseudo le plus voté c'était Gaz Pauvre, voilà Gaz Pauvre parce que j'ai pas de monteur et je trouvais que c'était un petit peu un manque de respect donc j'ai pris le deuxième commentaire le plus liké qui était Gaz Progression et là qui me correspond un peu mieux à cette série puisque j'ai vraiment envie de progresser en 2v2 et c'est pour ça que je vais garder ce pseudo là, désolé je vais pas mettre Gaz Pauvre parce que voilà respectez-moi un petit peu s'il vous plaît, allez on va garder Gaz Progression, c'est très très bien en espérant que le pseudo me porte chance puisque j'espère qu'il va me faire progresser et on va passer tout de suite à la game 1, c'est parti, jingle. Ok, première game, on est contre Ferrand Shark et Baraco. Et on est avec Cook et on voit qu'il y a un 1411 en face, donc potentiellement un mec un peu plus bas niveau, si c'est pas du smurfing, évidemment. Évidemment. Putain, ça fait bizarre de jouer à Rocket League, je vous jure, j'ai pas joué depuis quasiment une semaine, parce que je me suis fait un petit week-end avec ma copine. Et du coup, j'ai pas joué, et là en ce moment, je joue beaucoup à Elden Ring surtout. Donc va falloir se remémorer comment on joue à Rocket League parce qu'à chaque fois j'oublie après mes 15 000 heures, une semaine sans jouer, j'oublie comment on joue. Ouh là là, attention. Ouh là là, Cook. Oh là 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 là, le teammate. Le teammate qui on goal après 30 secondes de jeu. C'est terrible. Allez, va falloir se concentrer là parce que si on perd, c'est une catastrophe. Hein. C'est quand même une série, on doit monter. D'ailleurs, je vous tease directement... Normalement, si tout va bien, on a notre premier invité dans cette série la semaine pro, mardi prochain, je pense. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez très bien, je pense. Et la frappe est magnifique. La frappe est sublime. Oh, ça me fait plaisir de revenir et de mettre un but comme ça. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais quand vous jouez pas à Rocket League pendant très longtemps, quand vous revenez, vous avez l'impression d'être trop fort. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, à chaque fois que je suis parti en vacances, quand je reviens, j'étais monstrueux au jeu. Ok, on va contrôler. Pas mauvais contrôle, mais je peux tirer. Heureusement que l'adversaire a été nul, mais normalement, là, je devais pas marquer. Hein. Je comprends pas pourquoi il me laisse jouer à ce point. Ça aurait pu être but pour eux, d'ailleurs, hein, vu comment la balle m'a échappé et que mon mate était devant moi. Ça aurait pu être vraiment catastrophique, mais c'est passé. Et c'est tant mieux. Ok, on va voir ce qu'il me fait Baraco, là. Ok. Bing. D'ailleurs, sûrement après mon premier invité, je pense que je ferai ma première analyse, hein, en vrai. Parce que là, je pense que dans deux semaines, je dois être à mon elo, je pense. L'elo où je stuck, où je galère un peu, ben, voilà, mon niveau, quoi. Et ce serait intéressant d'analyser des games de mon niveau, justement. Parce que je pense que si j'analyse maintenant, c'est pas très intéressant, en vrai de vrai. Genre, c'est juste analyser comment... détruire les logos où je suis pas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, je pense que ça n'a pas de sens d'analyser vos games dans des games plus bas niveau que votre niveau. Je pense. Oh. Alors que analyser plus haut niveau que votre niveau, je pense que tu... Pour avoir déjà joué avec des joueurs pros, j'ai l'impression que mes erreurs ressortent deux fois plus quand je joue contre des pros. Un délire. Ok. On va partir en air dribble. On va partir en reset. Oh, si c'était cadré, je suis pas sûr qu'il l'arrête. Hein. C'était bien joué. Allez, Cook. Régale-moi. Allez, oui, Cook. Et oui, Cook. Tu vas me régaler là, avec ton musty. Oh là là, il va le faire. Ah, mais là, il a failli mettre un move de fou. Furieux, dommage. Ah, je suis dégoûté pour lui parce que là, vraiment, le but était fou. Normalement, c'est but, je crois. Hein. J'ai passé deux mecs. Ouais. Ouais, non, c'est pas but. Je pensais que mon mate allait marquer, mais pas du tout. Ok, on contrôle en L flip. On va chercher ce boost mid. Et on va laisser mon mate y aller. Ouais.
Dis-moi qu'il l'a. Oh non, il l'a pas. Je crois que c'est but. J'essaie de bump pour pas qu'il soit en danger après avoir défendu. Là, je suis obligé de le trust hein, sur la défense. Ok. Oh là là, dommage. Ouais, mon teammate, j'aime bien ce que tu me fais. Une 45, attention, il saute. Ouais, c'est pas but. Merde, j'ai kebab. Oh, j'ai kebab alors que c'était free save, my bad. My bad, en vrai. Il me dit pardon, mais c'est vraiment my bad. C'est vraiment des trucs qui doivent pas arriver. Hein. Là, c'est vraiment des buts donnés. Il a fait le pire tir de France et c'est but. Même triste. Allez, Cook. Les deux buts qu'on a pris sont trop tristes, je trouve. Un own goal de mon mate, plus un tir tout simple qu'on n'arrête pas. J'ai leur boost. On va laisser mon mate y aller. Et là, j'y vais. Elle s'envole, je pense. Et je la mets mid. Ah, il est pas là. Faut que j'y retourne. J'essaie de bloquer au max, mais... Oh, putain, mais il met 30 ans à aller chercher du boost. C'est un truc de fou. Ok, Cook. Cook. Oh là là. J'ai cru, hein. J'ai cru que Cook allait nous cooker quelque chose, justement. Porte bien son pseudo. Ok. Ouais, ça va être but, je pense. À moins que j'arrive à la save. Ouf. C'était pas évident, en vrai. Hein. Je vous jure, j'avais pas beaucoup de timing pour la mettre sur le côté. Il fallait absolument que je mette la balle à un endroit où ils peuvent pas tirer pour que mon mate back. Enfin, mais mon mate qui touche pas une balle. Complexe. J'ai zéro. En vrai, ça va, ils ont eu peur, les adversaires. Ça nous met bien. Mon mec qui rate encore. Je crois que c'est pas but. Ouais, c'est bon, c'est pas but. Ok, je bloque. Ouais, je défends. C'est fou à quel point il me laisse tout seul, par contre. Hein. Ok, c'est pas mal. On va prendre le boost derrière, en vrai. En vrai, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû prendre le boost mid. Mais ça va, j'ai réussi à l'avoir. Hop, j'en passe un. Hop, j'en passe deux. Et normalement, ça va être gagné. Non. Mais tu l'as, Cook. Oui, Cook. Non, j'aurais pas dû faire ça. C'est bon. Je voulais wall read, en vrai, de vrai, je voulais wall read. Non. Non. Non, Cook. Non, Cook. Oui, la chance, let's go. J'ai full choke, Cook a full choke. Et on gagne quand même, let's go. Le plus 14, on gagne encore plus 14 alors que les games de placement sont terminés. Donc ça me régale. Il faut peut-être enchaîner le plus de victoires possible pour que le jeu continue de me donner beaucoup de points. Donc on va essayer de se concentrer pour la game 2, c'est parti, jingle. Ok, game numéro 2, on est avec Cook encore une fois. Bah décidément, ce sera notre teammate du jour. Il n'était pas extraordinaire, je vais pas vous mentir, il n'était pas extraordinaire, donc je suis pas hyper assuré. Va falloir bien assurer la défense. Ok. On va voir ce qui se passe. Ouais, ça aurait pu être but, ça. Hein. Ça aurait pu être but. Et je bloque. On va back parce qu'il va tirer en aérienne. Normalement, mon mate, il va, là. Il va pas. Je vais l'avoir. Simplement. Pas de boost. C'est un malade, Cook. C'est un malade. Il a fait un bump, mais genre, il a vraiment une chance sur 50 de passer son bump. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment dur, hein. En plus, j'avais pas de boost et chaud, je pouvais pas l'éliminer. Je sais pas si j'aurais dû prendre un duel là, dans cette situation. Est-ce que j'aurais dû prendre un 50? Parce qu'en fait, mon mate peut pas tirer derrière, donc c'est peut-être de la merde de faire un 50, je sais pas. Compliqué, complexe. En plus, j'ai 0 de boost, donc mon 50 il risque d'être perdu, je pense. Et je vais clear parce que là, il va vouloir tirer direct, c'était sûr. Ok. Je prends un reset, mais je vais pas l'utiliser. Ouais, je fais un tir, c'est pas ouf en vrai. Merde, mon mate est pas là. Ok, c'est mon mate là. Heureusement, l'adversaire a rendu la balle. Hein. Erreur classique de cet elo. Ouais, c'est but. Let's go. Le 50 qui rentre. Ça, c'est bien joué. Ouais, je vais essayer de faire un bon kick-off. Mais je mets bien la voiture au milieu. Et je dash au moment où je touche la balle. On va aller chercher le boost à droite en espérant qu'on mette les. Ouais, il l'a, c'est très très bien. Oh non, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait, Cook? Oh, Cook! Oh oui, son goal! Oh dommage, j'aurais adoré un own goal. Dommage que son teammate m'ait gêné. Oh.
Ouais, c'était but. Aïe, 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 coucou, cook. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Putain, il a la couronne platine, les gars. Non, je sais pas si c'est platine. Non, platine, je crois qu'il y a une genre de balle au milieu de la truc. Ça doit être la couronne silver. Parce que, pour ceux qui savent pas, la couronne platine est trop dure à avoir. Il fallait jouer en saison 1 et être top 100 mondial. Vous savez, à l'époque où Rocket League, ils faisaient des récompenses pour les joueurs top 100. Donc ils avaient des bonnes idées. C'était une bonne époque. Quelle époque de fou quand même, si vous avez pas connu. Ah là là, là ça sent la défaite. Hein. Ça sent la défaite, coup qui est vraiment désastreux je trouve. Mais moi aussi. Moi aussi, je fais n'importe quoi. Allez, faut se réveiller. En vrai, 3 minutes, je peux l'avoir. D'ailleurs, en saison 1 aussi, il y avait un truc. Oh bien joué, Cook. Open. Oui, Cook, c'est ça que je veux voir. Du coup, en saison 1, il y avait un truc que je trouve trop bien. C'est trop dommage qu'ils aient arrêté de faire ça. C'est que dans le menu, toutes les semaines, il y avait un montage de gens. Tu vois, il y avait un montage d'un joueur pro ou un truc comme ça, de ses plus beaux buts. Il y avait ça dans le menu. Je trouvais ça trop bien, ouais. De mettre en avant les clips de certaines personnes. Genre ce serait trop cool qu'à chaque fois qu'il y a un Insanity sur RLFX par exemple, ce soit dans le menu. Ce serait vraiment trop bien. Ça soutiendrait un peu les gens qui mettent en avant leur jeu. Et... Putain mais qu'est-ce qu'il fait, Cook? Il m'empêche de jouer. Et bien joué. Ça passe, hein, il a réussi à dribbler, je sais pas comment. Oh là là, ok. Trop bizarre hein, comment il joue. Et ça va. Je peux pas bloquer par contre. J'ai... Ah. C'est chiant parce que... Il est trop chiant, Cook, parce qu'il est tout le temps devant en fait. A chaque fois que j'ai une balle, il est devant moi. Du coup, il peut pas me back up. Ok, open. Ah, dommage. Est-ce qu'il va prendre le boost mid? Non, je pense pas. Allez. Le reset. Je pense que c'est pas but. J'ai gagné du temps. Et un de passé. Deux de passé. Ah, je prends ce boost là pour pas qu'il l'ait en face. Je bump. Allez, Cook, t'es où? Cook. Mid. Ah, je pensais pas qu'il allait me mettre aussi bien. C'est pas aussi avancé qu'il fallait. Ouais, j'espère que Cook là. Ouais, il l'a normalement. Une balle rendue. J'essaie de pas me faire fumer. Je l'ai normalement. Ouais. Gauche sur mon mate. J'ai... Oh non, il a sauté. Ah, il a sauté. Allez, Cook. Non, arrête de sauter pour rien. Ah, c'est trop dur. Allez, Cook. Oui. S'il te plaît, Cook. Régale-moi. J'ai trop envie de la gagner, cette game. Ça me frustrait de la perdre. Je suis en train de tout faire pour aider Cook, là. Ouais, un de passé. Dommage que je les bump parce que du coup ça le remet en défense. Et Cook qui rate alors qu'il avait open. Et je peux contrer. Allez, mate. Oh, mais c'est pas possible. J'en peux plus. Allez, je te la mets. Fais-moi rêver. Voilà, ça c'est une belle frappe. Encore. GG, je pense. Ok, c'est open. Nice, let's go. J'ai été à chercher, hein. Je vais dire merci. J'ai trust le wall hydraté. Hein. S'il le réussissait, je pouvais plus rien faire. Je pense que ça aurait été but pour eux. Allez, on est bien remonté. 3-3. Faut continuer comme ça. Allez, Cook. Cook. Non, il l'a pas. Dommage. Ok, c'est peut-être but. Ah dommage, j'ai mal touché. J'espère que c'est pas but pour eux. Ok, c'est bon. Allez, bon kick-off de Gaspo. Allez, c'est bon, c'est pour nous ça. Ok, j'ai le boost. Ah merde, j'ai pinch sans faire exprès, je voulais pas pinch. On fake. Je bump. Ah dommage. Allez mon mate. Ouais, c'est excellent ce qu'il me fait là. C'est peut-être but en vrai. Hein. C'est cadré je crois. Ouais, il l'a.
Ok, mon mate, faut qu'il y aille, mais je le gêne, je pense. Non. Non, Cook, touche pas la balle. Putain, j'en ai marre de ce mec. Il me met down goal en deux games. C'est un truc de fou. Putain, c'était tellement le bordel. J'aurais pas dû jouer le boost, j'aurais dû jouer la balle, par contre. Mais putain, s'il la touche pas, je l'ai. Cook. Putain, il était désastreux, ce teammate. Hein. Désastreux. Bon, allez. Game 3 jingle, en espérant jouer contre Cook. Ce serait sympa. Allez, game 3. Allez, troisième game. C'est Binomer, je crois qu'il était dans la game d'avant. Et là, il est dans mon équipe. Ok. Ah ça y est, c'est les premiers teammates qui m'énervent là dans la série. Ok, on va voir ce qu'il fait Raoul. Je pense qu'il a la reset. Je pense qu'il l'a, donc on va s'écarter. On attend de voir ce qu'il fait. On va chercher le boost mid. Et là, je peux peut-être double tap si je suis bon. Mais est-ce que je suis bon? Non, je suis mauvais. Je suis mauvais au jeu. Oh non, bah. Pas le seul, j'ai l'impression. Allez, on va chercher le boost. C'est but. Non, c'est pas but. On met la cut. Ouais, c'est bien. C'est peut-être but, ça. Ouais, magnifique. Magnifique tir de mon mate. On sent la différence. Hein. On sent la différence quand on a un mate utile. Ouais, bien joué. Ok, c'est but. Le bump est excellent. Le bump est excellent. J'ai cadré direct. Ça, c'est excellent. Bien joué. C'est fou à quel point un bon mate, ça fait la différence dans les matchs, comment ils se déroulent. Genre là, je dois pas carry en fait, je dois juste jouer à Rocket League et ça gagne tout seul. Pas besoin de tout faire. En toute humilité, hein, bien sûr, je suis pas en train de dire que je suis le plus fort. C'est juste que bah vraiment la game d'avant, je pense que Cook est moins fort que les deux mecs que j'affronte en fait. Du coup, je dois élever le niveau encore plus. C'est normal qu'il y ait des games comme ça en vrai. C'est celle-là que je devrais gagner en vrai. C'est vraiment ces games-là que si vous les gagnez, bah vous montez tellement en elo. Parce que les games, vous avez un bon mate. Ça va aller tout seul normalement. Et je l'élimine. Je vais chercher leur boost. Mon mate y va. Je vais la voir, je pense. Ouais, j'aurais pas de boost malheureusement. Oh, ce qu'il leur a mis. Ok, heureusement que... Ouah. Heureusement que je la save. Ah, j'ai pas de boost. C'est but, non? Je crois que j'ai cadré. Ouais, c'est bon, j'ai cadré. J'ai eu peur. J'ai eu peur que je tire à côté. Ça m'est arrivé quelques fois. Je vous avoue, en jouant Rocket League, depuis beaucoup d'heures, ça m'arrive quelques fois de rater des open, mais vraiment, c'est exceptionnel. Quoi. Exceptionnel. Et ça fait 4-1 avec un kick-off goal de l'équipe adverse. J'avais même pas vu qu'on avait mis 4 buts déjà. 3 minutes 30. La game est déjà gagnée quasiment. Hein. Même si, bon, 3 buts en 3 minutes, ça se remonte largement. Moi, à la place de l'adversaire, je pense que j'aurais envie de surrendre. Donc peut-être un dernier but. Et ce sera gagné. Okay. C'est open, hein. C'est open, je pense que c'est but. Ouais, c'est but. Il me laisse trop d'espace. Et c'est gagné, il quitte le match. Eh bien écoutez, parfait. Petite victoire très rapide pour pouvoir récupérer les points de la game d'avant. Il me semble qu'on a fait 3 games, du coup on a fait 3 games. Quel elo va-t-on atterrir? Attention, on atterrit 1516. On aura gagné très peu de points, on aura gagné une quinzaine de points dans cet épisode. Mais écoutez... C'est une défaite, ça arrive parfois, ça arrive. L'important, c'est de gagner beaucoup plus qu'on perd. Allez, on se retrouve demain pour la suite de la série Road to 2000 MMR. C'était Gaspo. Ciao !